Bonsoir Rachel, on vient d'avoir notre cours de français. Voilà le résumé du cours. Donc, nous avons utilisé ces 1, 2, 3, 4, 6 pages. D'accord? Allez, c'est parti. Ça, on n'en a pas besoin. Tout ce qu'on a besoin, c'est des livres. D'accord? Donc, ça, on avait fait communication progressive du français. C'est la page 36 et 37. Donc, demander des renseignements. I'm gonna have to stop this stuff. Hop. Demander des renseignements dans une station de métro. Ce renseignement is information in a subway station. Monsieur, est-ce que je peux acheter des tickets ici? Bien sûr, madame, vous voulez un carnet? Qu'est-ce que c'est un carnet? 10 tickets de métro. D'accord, un carnet alors pour aller à l'Opéra Bastille. À quelle station est-ce que je dois descendre? Eh bien, vous devez descendre à la station Bastille. C'est direct? Non. Vous devez changer à Palais-Royal. Il n'y a pas de bus direct si vous avez le 69. Est-ce que je peux utiliser ce ticket? Oui, madame. Ce sont les mêmes tickets pour le bus et pour le métro. So, sir, can I buy tickets here? Of course, ma'am. Do you want a booklet? What is a booklet? 10 tickets of subway tickets. 10 subway tickets. Ok, a booklet. So, to go to the Opera Bastille. At which station should I get off? Well, you must get off on stop at Station Bastille. Is it direct? No, you must change at Palais Royal. Are there any direct bus? Yes, you have the 69. Can I use this ticket? Yes, ma'am. They are the same tickets for the bus and the subway. Devoir, must have to. Je dois, tu dois, il doit, nous devons, vous devez, ils doivent. I must, you must, he must, we must, you must, they must. Où est-ce que je dois descendre? Where should I get off? Or must I get off? Qu'est-ce que je dois faire? What should I do? What must I do? Pouvoir, can, be able to. So, devoir, must, have to. Pouvoir, can, be able to. Je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. Où est-ce que je peux acheter des tickets? Where can I buy tickets? Où est-ce que je peux... Est-ce que vous pouvez m'expliquer? So, où est-ce que je peux acheter des tickets? Where can I buy tickets? Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Can you explain to me? Prendre le bus, le métro, le tramway. To take the bus, the metro, the subway and the tram. Prendre le 21, le 8, le 6 métro, sous so different lines. Un carnet, 10 timbres. Une station de métro, un arrêt de bus, bus station, bus stop. Bus stop. Composter un ticket, to validate hein, de ticket. Changer de bus, de métro, de train, to change. Changer à Concorde, to change at Concorde de subway station. Qu'est-ce que c'est? What is it? Il y a un bus, un métro, c'est direct. Est-ce que je peux? À quelle station est-ce que je dois descendre? Which station should I get off? Où est-ce que je dois? Est-ce que je dois changer? Should I change? Not change the clothes, but change the stop. Vous aimez la musique? Oui, j'aime la musique. It's a normal affirmative question and answer. Vous n'aimez pas la musique? You don't like music? Si, j'aime la musique. Yes, I like music. So with aimer, we're not gonna use ne pas de. We're gonna use ne pas le, la, les. J'aime le, la, les, etc. Okay? So, Stéphanie voudrait acheter 10 tickets de métro, c'est vrai. Le trajet est direct en métro, c'est faux. Le trajet est direct en bus, c'est vrai. Les tickets de métro et de bus sont les mêmes, c'est vrai. Est-ce que je dois changer pour aller à Étoile? Ou est-ce que nous pouvons acheter des tickets de bus? Vous pouvez m'expliquer comment ça marche? Can you explain to me how it works, how that works? Où est-ce que nous devons descendre pour aller au musée d'Orsay? Est-ce que je peux avoir un renseignement, s'il vous plaît? Renseignement is an information. Hein. Vous devez changer à la station Saint-Michel. Complétez. On prend le métro dans une station de métro. Ce n'est pas direct. Vous devez changer à Châtelet. J'attends le bus à l'arrêt de bus. Nous devons acheter 10 tickets de métro, c'est-à-dire un carnet. Je dois prendre le bus pour aller à mon bureau. Quand on prend le bus, on doit composter son billet. This is for you, your exercises for next time, exercice 4 et 5. Now,
Ah oui, Harry Potter, on a... Là. Non, this one, I think it was like... No, because that's just what we did. I don't know what I did. That's lame. I don't know what I did. I'm so tired sometimes. I don't even pay attention to what I'm doing. Vocabulaire. Should have been something like that. Yeah, that's this one. It's grammaire progressive niveau débutant. You have it, you have the new format, which is only 20 pages, and this is like the last, it's a scanned version of the book, hein, but it's still, you know, useful. So, okay, let's just go back to the quantities. Un peu, un litre de lait, beaucoup de beurre, pas de farine, a liter of milk, a lot of butter, no flour. So the quantity en 1 kilo de, beaucoup de, pas de, but we can also use some. Some can be du, de la, des, des en de, l' apostrophe, because it starts with a vowel. De l'eau, water, de la farine, flour, du soleil, sun. Un verre d'eau, a glass of water, so it's more specific. Un kilo de farine, a kilo of flour. Pas de soleil, no sun. Pas de is considered to be like no or not. So, un kilo de sucre, 100 grammes de sucre, 3 morceaux de sucre, a kilo of sugar, 100 grams of sugar, 3 squares of sugar. Beaucoup de sucre, peu de sucre, assez de sucre, a lot of sugar. You know, a little of sugar and enough sugar. La quantité zéro, zero quantity. Pas de sucre, no sugar. Plus de sucre, no more sugar. Jamais de sucre. It's like never sugar, if you want to say it. Beaucoup de, pas de, it's always with de. On dit apostrophe. Jamais des, never des. D-E-S. So, if I can answer the question what, I can use some. Du, de la, des. De à l'apostrophe. If I can answer the question how much, combien, I can use the quantities. Un kilo de, beaucoup de, pas de. So, the answer is on here, so it's going to be faster. Un kilo de farine, 200 grammes de farine, une tasse de thé, un carnet de timbre, beaucoup d'argent, un peu de sucre, 3 litres d'eau, 2 tranches de jambon, un verre de vin, un morceau de chocolat. Morceau de piece, piece of chocolate. Un bouquet de fleurs, un paquet de pâtes. Okay. Il y a du lait dans une bouteille de lait, il y a du sucre dans un paquet de sucre, il y a de la moutarde dans un pot de moutarde, il y a des pommes de terre dans un sac de pommes de terre, bag, il y a des bonbons dans un paquet de bonbons. Vous aimez du poisson? Vous mangez, ça c'est aimé. Vous mangez du poisson? Non, je n'aime pas de poisson. Je ne mange pas de poisson, sorry. Vous mangez de la viande? Non, je ne mange pas de viande. Vous mangez des légumes? Non, je ne mange pas de légumes. Vous mangez du jambon? Non, je ne mange pas de jambon. Il mange du pain, du fromage, des œufs, des fruits, des légumes. Il ne mange pas de viande, de poisson, de charcuterie. Dans mon appartement, il y a trop de bruit. Il n'y a pas assez de lumière. Bruit is noise. Dans ces spaghettis, il y a trop de sel, il n'y a pas assez de sauce. Dans mon entreprise, il y a trop de travail, il n'y a pas assez de vacances. À la télévision, il y a trop de comédie, il n'y a pas assez de films d'horreur. You crazy. So, exercice 6, non. I gave you more exercises. Plus que, non, plus grand que, it's like taller than. Moins grand que, shorter than. Aussi grand que, is as tall as. So, Jim est plus grand que Joe, is taller than Joe. Plus gros que Joe, fatter than Joe. Aussi fort que Joe, as strong as Joe. Joe est moins grand que Jim, shorter or less tall than Jim. Moins gros que Jim, less fat. Aussi beau que Jim, as beautiful, as pretty as Jim. So, we know that in between we have an adjective. Adjective, adjective. That's what they say. And here we can also have an adverb. An adverb is a word that comes right after the verb in general. But
We can separate the adverb from the verb and add, you know, this kind of comparative. Jim bouge plus vite que Joe. He moves faster than Joe. Moins vite que Joe, less fast. Aussi vite, as fast. Bon and meilleur, ce sont irregular comparatives here. So, le café est bon, mais le café martien est meilleur. So, we're dealing with a noun here. What are we talking about? The coffee. Okay. Woody danse bien, mais Fred danse mieux. He dances better. Okay. So, here, l'argent est plus précieux que le cuivre, mais moins précieux que l'or. So, more precious than copper. More precious than copper and less precious than gold. Une voiture est moins rapide qu'un train, mais plus rapide qu'un vélo. Le coton est plus léger que le lin, moins léger que la soie. Well, we had a huge doubt here. Au printemps, il fait moins chaud qu'en été, mais il fait plus chaud qu'en hiver. Okay. That is for you. Exercice 2 et 3 et 4. And this one, we did it together. Le vin français est bon, le vin martien est meilleur. En France, on mange bien. Sur Mars, on mange mieux, because it's related to a verb. Les pâtes au beurre sont bonnes. Les pâtes au fromage sont meilleures, féminine pluriel. Zaza cuisine bien, Bip cuisine mieux, it's related to a verb. Cathy travaille bien, Keiko travaille mieux. Les résultats de Cathy sont bons, les résultats de Keiko sont meilleurs. That is it. You have several exercises. I'll put these images on the transcript. And that's going to be easier and faster, okay? Tu passes une très bonne semaine et on se voit donc mardi prochain. Au revoir, Rachel.